Hey, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Après vous avoir présenté quelques hôtels au cours des dernières vidéos, on est bien dû pour s'attaquer à un restaurant et c'est pourquoi aujourd'hui je vous invite à me rejoindre du côté du parc de Disney's Hollywood Studios pour y découvrir le Sunset Ranch Market. Installé en long et en large sur la rue et le land du même nom, Sunset Boulevard, ce marché de fermiers locaux indépendants des années 30 vous offre des produits frais et variés tout le long de l'année. Inspiré d'un vrai marché de Los Angeles, on va y retrouver à Walt Disney World plusieurs kiosques offrant de la cuisine américaine, mais tout de même variante d'une à l'autre. Donc, tout ça est à quelques pas de la Tower of Terror et de l'entrée du spectacle nocturne de Fantasmic. Donc, ça en fait comme une aire de restaurant facilement accessible. Tous les petits kiosques dont je vais vous présenter sont des restaurants de type service rapide. Et puis alors, pour ceux qui ont le dining plan, vous pourrez utiliser des crédits de restaurants quick service ou ceux de collation pour la grande majorité des produits offerts. Donc, en rafale, je vous les présente. On a le Anaheim Produce de ce côté-ci. Et puis de l'autre, il y a le Rosie's All American Café. Catalina Eddie's est juste à côté, mais un peu plus proche de la rue, ce sont les Fairfax Fair et Hollywood Scoops qui y sont. Pour reprendre puis vous présenter chacun de ces kiosques, commençons tout de suite avec le Anaheim Produce. Donc, celui-ci est c'est le plus petit kiosque de tous ceux dont je vais vous présenter. C'est vraiment des collations qui sont principalement offertes, quelque chose en tout go de rapide. Donc, on a soit des churros ou les fameux Mickey Pretzel qu'on peut retrouver là. Sinon, c'est beaucoup des boissons, boissons gazeuses, des limonades. On a aussi des limonades glacées. On a aussi d'autres boissons qui sont glacées. Mais certains sont même alcoolisés, donc il y a soit des margaritas, soit des mango colada, etc. Bon, on a la liste ici. Il y a plusieurs bières artisanales aussi qui se retrouvent là, donc soit de la Kona's Longboard Island Lager, de la Hungry Archer, de la Schroffer Offer, et j'en passe. Si on y va tout de suite avec le deuxième petit kiosque, le Rosie's All American, son nom le dit bien, non seulement c'est thématisé encore plus sur les États-Unis, il y a un petit côté patriotique. La nourriture est également très américaine, mais on quitte un peu les collations pour s'aligner vraiment vers des repas, soit dîner ou souper. Donc, on a évidemment le classique cheeseburger qu'on retrouve au Walt Disney World. On a aussi une variante avec un petit mélange d'oignons, évidemment avec cornichons, tomates, laitue, une variante tout le temps bien sympathique. Sinon, on a aussi nos fameuses lanières de poulet qui sont pris, donc des nuggets. On l'a aussi également dans le menu pour enfants. Sinon, on retrouve, ça j'ai goûté à ça, c'était vraiment très bon. C'est une sandwich aux tomates vertes frites. Donc d'une même, ça fait un peu spécial, mais c'est une tomate verte qui a été frite. Et puis, il se retrouve dans un pain de ciabatta. Et puis, on retrouve des tomates, de la roquette, puis une petite sauce ranch aux jalapenos. Donc, le petit côté un petit peu plus gras de la ranch va venir annuler le goût piquant du jalapeno. Donc, ça goûte le piment, mais c'est pas fort pour autant, donc du moins pas trop. Donc, aussi avec le fromage Pepper Jack. Donc, c'était vraiment très, très, très bon. Je vous le recommande. Parce que si vous avez le goût d'un sandwich, mais pas forcément d'un cheeseburger, qui des fois peut être plus lourd, vous pouvez prendre ça. Puis, c'est servi soit avec des frites, soit avec de la salade de choux. Et puis ensuite, nous avons dans le menu pour enfants la sandwich à la dinde. Voilà, on servit avec fruits frais, soit un yogourt aussi, ou on a du lait, ou une bouteille d'eau pour compléter le menu enfant. Donc aussi pour ce kiosque-là, on a un menu allergie vraiment très bien développé, donc que ce soit pour le gluten, les œufs, les poissons et fruits de mer, le lait, on a aussi les arachides, et puis le soya. Donc vraiment tout détaillé, on a les mecs qui sont sélectionnés que ceux-là qui n'ont pas par exemple de soya ou quoi que ce soit versus un autre, ou bien on a tout simplement des offres supplémentaires pour remplacer l'autre. Donc vraiment aussi n'hésitez pas si vous avez une allergie autre que ceux-là de le demander directement sur place parce que des fois ils ont des nouveautés de dernière minute qui affichent pas directement sur internet, donc vraiment de vous informer sur place si vous voulez. Donc, on s'enligne tout de suite vers l'autre petit kiosque, le Catalina Eddie's. Donc ici, on est dans un menu qui s'approche davantage de tout ce qui est de la pizza, de la salade César. Donc, on a différentes variétés, fromage, pepperoni, carnivore. Dans la salade César, on en a avec ou sans poulet. On a
Des pains à l'ail aussi, hein, qui peuvent s'ajouter en accompagnement. Encore une fois, une variété assez grande de breuvages, autant alcoolisés que non. Et oui, j'oubliais aussi, mais si vous voulez une pizza avec une croûte sans gluten, toujours disponible ici, donc faites juste le demander, puis vous allez l'avoir sans problème. On y va tout de suite avec le Fairfax Fair. Donc, ce restaurant-là, c'est mon préféré de tous les petits kiosques qu'on retrouve dans l'aire de restaurant du Sunset Ranch Market. Simplement parce que on joue un petit peu plus avec les épices. C'est une inspiration plus mexicaine, si on veut. Donc, on a des empanadas, on a des fajitas. Bon, oui, on a des sandwichs aux pommes. On a des bols de riz assaisonnés, soit avec chili ou non. Bon, on a aussi des trucs très américains comme un fameux hot dog d'un pied de long auquel on peut soit ajouter du fromage ou du chili ou les deux. Et mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus santé, par exemple, on a la Fairfax salade qu'on retrouve avec du porc, du bacon, un mélange de maïs rôti. On a aussi comme des petits morceaux de tortillas dedans avec du cheddar. Puis on peut ajouter encore une fois la fameuse sauce ranch et jalapeno à l'intérieur. On a, bon, bien sûr, toujours notre fameuse variété de breuvages en fontaine. Et dans les boissons alcoolisées, on retrouve, oui, des bières, mais on va avoir une sélection un peu de produits faits à base de rhum. Donc, on a soit un punch aux fruits avec du Captain Morgan, on a soit les fameux rum and coke. Mais si vous avez le goût d'une bonne limonade rafraîchissante, ben, version plus adulte, on a une limonade aux cerises noires et rhum, qui me fait quand même penser à ce qu'on peut retrouver du côté de Woody's Lunchbox avec la Grown Ups Lemonade, donc j'ai déjà précédemment parlé dans une dernière vidéo. Et puis enfin, le dernier petit kiosque qu'on retrouve, c'est le Hollywood Scoops. Donc ici, c'est beaucoup de la crème glacée qu'on retrouve, mais de la crème glacée en tout genre. Puis c'est dans un style vraiment rétro, donc c'est quelque chose que j'aime toujours bien, c'est de la crème glacée dure, comme on peut appeler, non en machine qui est molle. On a par exemple une croustade aux pommes à la mode, on peut avoir simplement des coupes de crème glacée avec une saveur au choix, soit chocolat, vanille, fraise. On a du sorbet à l'orange, sinon on a aussi beurre et pécan, on a aussi la crème glacée biscuit et crème. Donc voilà, on peut avoir notre coupe glacée, mais on peut aussi l'avoir en cornet. On a aussi un format pour enfants qui est un petit peu plus petit. On peut l'avoir avec un brownies, donc le fameux classique brownies et crème glacée. Mais un petit faible pour moi, c'est le sandwich à la crème glacée. Donc c'est vraiment des biscuits. Ce n'est pas comme une sandwich à la crème glacée, les mini sandwichs qu'on peut retrouver dans d'autres kiosques. C'est vraiment des biscuits frais auxquels dedans on va venir mettre deux boules de crème glacée à saveur de notre choix. On va venir compresser ça un peu, puis c'est vraiment très 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 bon. Une sandwich à la crème glacée rafraîchissante, goûteuse, et puis avec la crème glacée riche, et c'est pas industriel, c'est vraiment fait sur place, fait main. Moi, en tout cas, j'adore ça, ces genres de petites collations-là, et puis en plus, quand on peut le prendre avec un crédit collation, ça vaut vraiment la peine. Et puis, maintenant qu'on a fait le tour de toutes les petites kiosques qu'on retrouve au Sunset Ranch Market, je vous ai quand même pensé à quelques points positifs et d'autres négatifs par rapport à cet endroit-là. Donc, bon, on va commencer avec les points positifs. Donc, tout d'abord, il y a une très grande variété de produits. Donc c'est sûr, c'est pas un seul restaurant, c'est plusieurs petits restos. Donc si la famille veut des choses dans différents kiosques, il faut faire la ligne plus qu'une fois. Mais au moins, on est tous au même endroit pour manger. Donc pas besoin de parcourir le parc à gauche à droite pour aller chercher notre nourriture. Et puis aussi, comme j'ai dit brièvement en début de vidéo, un autre point positif, c'est que c'est à proximité de Fantasmic. Donc c'est parfait en fin de soirée de prendre une crème glacée ou encore un repas plus consistant, ça vous dit. Et puis de l'amener dans l'amphithéâtre pour aller écouter Fantasmic. Par contre, c'est sûr, on a quelques points négatifs que j'ai soulevés. Premièrement, c'est extérieur. Donc, on fait face à la chaleur de la Floride, c'est pas climatisé. Oui, il y a des toits, on est à l'ombre, mais avec des pluies parfois très fortes dans la période estivale, puis le vent qui peut s'élever un peu. Ça m'est déjà arrivé quand je mangeais là, puis que la pluie est partie, que l'eau rentre quand même sous les toits à cause. Puis un autre point négatif, c'est sûr, la nourriture, c'est très américanisé. On va se dire très gras, puis plus ou moins santé. C'est sûr, on a quelques salades, mais c'est pas... Donc, à Hollywood Studios, c'est pas l'endroit qu'on va manger le plus sainement. Et puis, ben même, en fait, en termes de quick service à Disney's Hollywood Studios, on a pas mal juste des trucs dans cette catégorie-là. Si on pense au Backlot Express, au AMC Commissary, au Pizza Rizzo ou à Woody's Lunchbox, on est tous dans de la cuisine américaine, quelque chose de, bon, plus ou moins santé. Bon, c'est sûr qu'au Sunset Ranch Market, on reprend toutes ces idées-là. Puis même on a encore plus de choix, puis on regroupe tout ça au même endroit.
En tout cas, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'espérer qu'avec l'ouverture de Galaxy's Edge, qu'on ait une plus grande offre culinaire en termes de restaurants quick service, puis voire même des options plus santé, un peu comme à la Statue des Cantines d'Animal Kingdom. Je pense qu'il pourrait être un concept qui serait parfait à Hollywood Studios. Et donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que j'ai quand même éclairé votre choix ou votre planification des restaurants quick service à Disney's Hollywood Studios. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur les restaurants Woody's Lunchbox ou les kiosques de nourriture qui sont dans le même parc. Donc, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, c'est sur la chaîne de Destination WDW. Bon, et au passage, n'oubliez pas de vous y abonner pour toujours plus de vidéos vous faisant découvrir Walt Disney World. Et si vous voulez plus de vidéos avec moi, n'hésitez pas à faire un tour du côté de la chaîne YouTube Disney Une Histoire Animée où je vous partage entre autres tout plein d'anecdotes de lorsque j'ai eu la chance de travailler à Walt Disney World. Donc n'hésitez pas à contacter wdworld.com pour la planification de votre prochain séjour magique en écrivant au cvoisvert@wdworld.com ou au maxime@wdworld.com si vous voulez que je vous aide personnellement avec votre voyage. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!